What the check YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour déterminer comment on débloque le plus rapidement et le plus facilement possible la M13B. Débloquée uniquement dans le mode DMZ, le mode gratuit qui a suivi l'arrivée de Warzone 2. On va tout de suite arriver en game et on va localiser cette zone là. Le logo chimique se trouvera sur cette place là, un mob appelé le chimiste. Donc tu vas te déplacer par là bas au plus rapide, donc que ce soit par la mer, que ce soit par la terre. Que ça soit également en voiture, en quoi, dans ce que tu veux. Munis-toi d'un véhicule, tu verras pour la suite que c'est important. Pourquoi il faut arriver au plus vite sur place? Parce qu'il y a d'autres joueurs. Et sur place, moi je suis déjà arrivé, il n'y avait déjà plus le chimiste. Il s'est fait tuer. Désir récupérer ou non l'arme, de toutes les façons, toi tu ne pourras pas l'obtenir si c'est pas toi qui tue directement le mob. Il y a plusieurs approches. L'approche Nikki, mob par mob, et fais attention, il fait très mal. Notamment ce petit bonhomme. C'est moi le danger, Heisenberg. Voilà, c'est lui que tu vas devoir trouver. Lui et ses équipiers, ils sont deux je crois. Il leur faut un nombre de balles incalculable, par contre ils font extrêmement mal. Moi je te conseille plutôt d'utiliser ma solution. Donc comme tu le vois ici, dans ce gameplay là, l'arme était buggée. Je ne pouvais absolument pas la ramasser, donc j'avais tué moi-même le mob et ça ne s'était pas produit. Tu vas te présenter sur place avec un véhicule, foncer directement sur le chimiste et ses acolytes et te précipiter sur le loot. Une fois que tu as attrapé cette arme, tu te vois quand même d'assez loin et qui normalement si tu rentres dedans assez vite, son corps sera beaucoup plus loin que le loot puisqu'il restera sur place où tu l'as tué. Ensuite, il s'agira de fuir le plus vite possible. Tu ne te retournes pas. De préférence, si un de tes potes a pu rester dans le véhicule, il t'attend, il fait chauffer le moteur comme on dit, et tu fonces. Ensuite, tu voudras extraire le colis. Fais attention parce que les joueurs peuvent te voir. Peuvent te tuer pour essayer, espérer le récupérer cette arme qu'ils n'auront pas de toutes les manières, mais qu'ils auront comme celle que tu loot dans le jeu. D'ailleurs, tes coéquipiers n'auront pas non plus l'arme. S'ils la veulent, il faudra donc réitérer l'opération avec à chaque fois un porteur différent pour extraire l'arme. Et il faut bien entendu donc l'extraire le plus vite possible en évitant les mobs qui vont également t'assaillir puisque c'est le script du jeu qui veut ça. Voilà, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire et que tu vas réussir toi-même à attraper cette arme qui est débloquable uniquement de cette façon-là. Sachant que tu peux le faire en solo ou en groupe, mais si tu ne connais pas le groupe, je te conseille d'éviter le groupe. Voilà, ça me rappelle un petit peu le principe, le DMZ de The Division, qui était un jeu que j'aimais beaucoup à la troisième personne, et où donc le but était de looter dans la Dark Zone et d'extraire les trucs pour les garder. What the check, bro?